Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Auclair de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Auclair 801, avenue de l'Abbé-Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Dimanche édition Comédia. Nous sommes en direct de la taverne Grande Allée, sur la Grande Allée, sinon ça ferait aucun crise de sens, à Québec. Et on est un public nombreux et fiers d'être là. Merci d'être là, tout le monde. Mes invités pour cette édition spéciale, Monsieur Marco Métivier. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Et l'honorable JC Surette, mesdames et messieurs. Honorable. Rien de moins qu'honorable. Merci, man. Alors, le concept est simple, les bons dimanches, si vous ne connaissez pas. J'ai demandé à mes deux amis ici, mes deux invités, de me donner deux comfort food, deux, trois options de comfort food, plats réconfortants qu'ils aiment dans la vie. Et j'en ai préparé deux de ceux-là, donc un de chacune de vos listes. Et on commence sans plus tarder avec ce bon vieux spag bolognaise, old school, qui est sûrement la chose qu'on m'a demandé le plus au bon dimanche, qui est une demande de M. JC Surette. Ah. Hey, JC, est-ce que tu as quelque chose à... On peut attaquer, hein, tout le monde. On peut attaquer? Il y a des gens, OK, quand même. Ils nous ont donné des portions de malade mental ici. Ils ont mis du smoked meat là-dedans. Le monde de Taverne Grande Allée, on les remercie. Alors, gênez-vous pas à manger avec nous, les gars, vous pouvez attaquer le repas. C'est, OK, d'accord. C'est un peu la... comme... Tu peux parler de plus loin, mais tu peux mettre ton micro comme loin. Okay. Ah, parle de moi. Merci, ça fait un peu comme la pire pièce de théâtre au monde. trois gars qui mangent du spag pendant une heure. Puis il y a quelqu'un qui va jouer de la musique italienne sur le piano juste à côté. Il manque juste quelqu'un qui déboule en avant, mon gars. Ah, ça fait la pièce de théâtre. Est-ce quelqu'un qui veut débouler? Non? Personne? All right. OK. D'ici, t'as-tu... je sais pas, un souvenir qui se rattache au spaghetti? Quelque chose de... À nous conter une confession? Ça a été dans ma liste 3 parce que je pense que pour la plupart des gens, le spaghetti, ça fait partie de la culture ici. Même si c'est italien, on l'a approprié. C'est de l'appropriation culturelle, le spag. On est très slaves ici. Oh, j'ai un scandale des gens partant. Mais JC, le monde ne savait peut-être pas, mais malgré ton accent qui l'a trahi un peu, c'est du Nouveau-Brunswick. Exact. Est-ce que par chez vous, c'est aussi... Parce qu'ici, c'est un mets, je pense, national, presque le spaghetti. On partage un peu votre culture côté spag. Vous avez des affinités. Ouais. Puis y a-tu comme de quoi que t'aimes vraiment, mais de ton coin, tu te dis, je pouvais pas lui demander ça, il serait jamais capable de faire ça? Ben, j'allais dire, on mange tous du homard, mais vu que c'était t'étais on the road, je me disais que tu t'amenais pas comme une bouilloire à homard partout avec toi, dans ton 9-piece luggage set. Juste une bouilloire de... Juste amener tes homards assis à côté de toi, tes attaches dans le char. Faire ça sur le bord du fleuve puis espérer qu'il y ait un homard qui s'est perdu. Oh, come on! Très, très long de millage. Est-ce que tu t'ennuies de ton coin de pays, JC? Est-ce que tu y retournes souvent? J'y retourne quand même assez souvent, peut-être 3-4 fois par année. J'ai la chance de retourner. C'est le fun. Avec ce qu'on fait, on peut voyager, on peut déterminer où est-ce qu'on est à chaque Ta moment famille, de l'année. Ta famille est encore toute là? Oui, tout le monde est là-bas, Mais là-bas, est-ce que tu avais commencé à faire de l'humour... aussi en anglais, en français, parce que je sais que tu fais de l'humour en anglais aussi. J'ai commencé en anglais là-bas, mais c'est extrêmement bilingue au Nouveau-Brunswick, donc je faisais un peu les deux, mais en déménageant ici, je me suis plus lancé en français. Puis pourquoi d'avoir décidé, d'avoir choisi de mettre plus l'accent sur le français? L'anglais me semble que c'est un marché. Je te dirais que je fais les deux. Je fais vraiment les deux à 60% et 40%, fait que je vais où est-ce que... Les contrats mènent, puis ça t'as pas, juste... T'as pas à faire un choix des deux. Si t'avais à faire un choix entre les deux, je dirais que ça serait très difficile. Ah ouais? Ça, tu dire que c'est l'anglais, mais tu veux pas le dire. Non. Ça? OK, je choisirais le français. Ils volent mon fromage. Il y a du fromage, c'est pas juste à toi, c'est les gars. Anglais, tu laissais le fromage, puis français, il part avec le fromage. Ouais, c'est ça. Toi, Marco, par chez vous, est-ce que c'est aussi... Attends une minute, Simon, je vais te répondre.
À la fin, on fait juste s'étouffer puis mourir, c'est vraiment. En plus, anecdote pour vrai, quand je suis arrivé, je ne sais pas où tu en allais, je viens de voir prendre ta bouchée. Je suis arrivé, puis la première fois, Simon m'a dit bravo, c'est un bon choix, ton chandail blanc. Ouais, ouais. J'avais dit qu'on faisait du spag, mais Marco, il aime ça, les défis. Ouais, moi, j'ai peur de rien. Moi, comme rester à Drummondville, mais faire de l'humour quand même. Parce que le monde ne le sait pas. Il demeure à Drummondville et ouais. Il fait quand même une carrière en humour, ce qui est un peu, particulier. Ce qui est un peu bizarre, tu peux le dire. Tu peux le dire. Mais en même temps, c'est le fun parce que je suis à mi-chemin entre les deux. Entre les deux, entre Québec et Montréal. J'aimerais juste ça d'avoir ta pause. Mais j'étais à mi-chemin entre Montréal et Québec. Tu sais, Trois-Rivières, c'était, mettons, c'était une heure de chez nous, Sherbrooke. Là, mais, je suis vraiment central, puis ce qui est loin, comme à la Val-d'Or ou au Saguenay, ben, il est loin de tout pas le monde. Pas plus loin. Hein. Val-d'Or, ça prend 12 heures anyway. Peu importe de où tu pars dans le monde. C'est que moi je suis pas toujours à Montréal parce que j'ai à cœur les gens de Québec. Oh, fucker. T'es obligé de les croiser, ils sont là, ils sont déjà convaincus. Même ils ont payé pour fait... regarder manger, à quel point ils nous aiment, tu sais, même eux autres, ils ont fait un genre de... Cheesy motherfucker. Kitten. Mais faire une... Parce que, ben, on se le fait demander assez souvent, peut-être que vous le savez pas, mais les jeunes qui commencent en humour, qui restent en région, ils sentent l'obligation de... Hey, faut falloir que je déménage à Montréal. Ouais. Est-ce que c'est une obligation, selon vous? Est-ce que... Ben, toi, t'es la preuve que non, parce que t'as une belle carrière. Ben, mais toi, est-ce que t'aurais pu faire carrière... Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent? Bon, tu as vu ma carrière est mitigée. Hey, Marco mitigé. Oh! J'adore. Des fois, il est drôle, des fois, il est pas drôle. Ça dépend. Mais mange donc. Mais est-ce que ça aurait été possible de faire une carrière juste au Nouveau-Brunswick? Je pense que quand tu vas avoir ton one-man show, ça va être parfait de rester à Drummondville parce que ça va être central. Mais pour l'instant, tu viens quand même souvent à Montréal. Ouais. C'est quoi, 45 minutes, une heure? C'est une heure à peu près à me rendre au pont ou un tunnel. Ouais. Ouais. C'est rendu au pont et au tunnel, là, ça me prend comme 45 minutes de me rendre au bar. Puis le luxe aussi à Montréal, puis maintenant, pour toi, quand tu viens à Montréal, tu peux pacter comme 3-4 shows dans la même soirée. Donc, tu fais tout ton rodage la semaine. Oui, c'est ça. Mais c'est l'avantage qu'il n'y avait pas quand moi j'ai commencé. Vous avez tous vécu la même chose. Il y avait à peu près 4 soirées de rodage pour tester du nouveau matériel à Montréal. Puis là, il y en a 25, tu en as 3-4 par soir. Fait que tu sais, je peux arriver là puis tester le même... 7-8 minutes, 3 fois, puis après, ben. Parce que ça là, c'est. Parce que les gens, ça... à Québec aussi, il y en a, mais un peu partout au Québec, on peut aller voir des shows d'humour à semaine longue, partout. Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Chicoutimi, Québec, Montréal. Est-ce que cette effervescence de l'humour est bonne pour nous autres, ou au contraire, ça fait comme diluer le produit, puis on sait plus trop ce qu'on regarde? Moi, je pense que. Vu que ça grossit, puis il y a plus. Ben, je suis pas d'accord! Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a de plus en plus d'humoristes, oui, et il y a de plus en plus de soirées. Et je pense que les soirées se catégorisent pour le genre d'humoriste. Mm-hmm. Les gens peuvent aller voir des one-man shows, mais ils peuvent aller voir aussi une soirée à headline où est-ce que c'est quelqu'un qui va sortir son one-man show prochainement. Mais il y a aussi plusieurs open mic, dont le open mic ici. Je fais de la pub en même temps. Si vous voulez rester jusqu'à 11 h. Il va avoir un open mic ici, vous pourrez voir. Des shows solo, moi je donne mon show solo ici vendredi. Est-ce que tu le donnes aussi, toi, Marco? Ah non, si c'est vrai. Écoute, avec des gens. Moi, je fais un 30 minutes dans une coupe d'heure à la salle Jouville. Bon. Non, mais des festivals comme ça, c'est incroyable. Parce que Comedy Fest, au début, qui s'appelait Grand Rire, c'était les galas et tout ça, et ça a comme explosé. Ouais. Puis ce soir, si ça vous tente, vous venez voir le podcast ici, vous allez voir un autre show à la place Georges V, vous allez à l'Impérial voir le trait d'humour, vous allez venir ici. Est-ce que, maintenant, on vient à Québec, puis le monde ne savent pas, mais ici, on vient triper comme des malades. Vous avez combien de shows, vous, dans genre 3 jours? Moi, je suis sur 2 semaines, j'en ai 6. Ah, quand même, tu sais. Il n'y a pas d'autres opportunités comme ça. Drummond, y a-tu tes soirées à ce point-là? À part rodé chez toi. Oui, il y avait le Festival de la blague la semaine dernière. C'est vrai, le Festival de la blague. Moi, le seul festival que j'ai pas fait cette année. Moi, j'étais sur le festival juste pour rire à Montréal, Comédia, le nouveau Grand Montréal Comedy Fest. J'étais sur le festival, j'animais un soir à Gatineau, le festival du mois de Gatineau, mais j'étais pas dans ma ville. Lui, il n'est pas fait dans son pays. Je comprends très bien ce que tu veux. Ouais. Est-ce que vos parents, ou bien, c'est une question que je pose souvent, mais est-ce que vos parents ont bien réagi quand vous avez décidé... Mais tu faisais comme, quoi avant? Parce que... Comme mon nom, mitigé, je te dis. Moi, Surette. Surette, ok. J'ai fait un autre Mais non, mais moi, je te dirais, moi, j'ai deux parents qui ont des bonnes carrières. Là, mon père est enseignant, ma mère a travaillé dans les hôpitaux toute sa vie comme une allothérapeute. Donc, je pense qu'ils voulaient juste que j'aille me chercher un métier. Puis après, si tu veux essayer quelque chose, tu me dis quand t'es jeune, tu le vois pas de même. Puis, c'est quoi le métier que t'avais choisi?
Et moi, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai pas fini. J'ai fait bien des affaires au cégep, ou des DEP, puis j'ai jamais terminé rien. Après, j'ai été serveur dans des restaurants 10-15 ans où travailler, vendre des affaires. J'ai vendu des chars, j'ai vendu des téléphones cellulaires. Puis à un moment donné, ben, à 30 ans, j'ai fait non. Ce que j'ai tout le temps voulu faire, c'est de l'humour. À 30 ans, quand même. À 30 ans. Ouais. T'avais une fille aussi à ce moment-là, t'étais pas? Oui, j'avais déjà une fille, oui. Et tu t'es dit, ben, attends de me mettre dans marde solide. Ouais. Pas de métier, pas de diplôme, un enfant. T'as pas ça, après, j'essaye le métier le moins sûr de la planète. Ouais. C'est ça que, c'est de même que je pense. Ouais, moi, t'as pas tout lâché du jour au lendemain. T'as pas fait comme un show, pis t'es comme, ça y est. Non, 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 j'ai commencé en fait. Il y avait des soirées à Drummondville dans le temps qui étaient animées par PA Méthode. Je suis allé faire des soirées là-bas. PA a bien aimé ce que je faisais. Fait qu'il m'a plugué sur d'autres soirées qu'on parle, justement, Gatineau, Saint-Lazare, Québec, tout ça. Puis j'ai fait une couple de shows de même. J'ai parti ma propre soirée à Drummond par la suite quand que celle de PA est tombée. Elle n'existait plus. Puis c'est à partir de quand j'ai commencé à animer à Drummond que là, j'ai lâché. Mais tu sais, je faisais les deux. J'ai même à un moment donné changé, j'étais serveur dans un restaurant plus de soir. J'ai travaillé dans un exki pour avoir mes soirs de livre. Fait que des fois, je finissais mes shows, je revenais chez nous à 1h du matin. Puis à 6h, je faisais comme, « Voulez-vous crever ou tourner vos yeux? » C'est m'en calisse, c'est ouais, un tes toasts pour ta tabarnak. Ouais, exact, exact. Fait que c'était ça. Ben, puis, est-ce que ça a été, dès le premier show, le déclic de, ça y est, si je pourrais plus faire autre chose? Ouais, la piqûre était là. Ben, ah, moi, c'est... j'avais déjà essayé de faire de l'humour quand j'avais 22-23 ans. J'étais pas prêt, là, fait que je... T'avais pas assez de tatou. Ouais. Je me cherchais une identité. Non, mais j'aime pas le copie d'un paquet d'humoristes que j'aimais, là. Ouais. Tu comme on est pas mal au début. Là. C'est ça. Mais là, à 30 ans, on dirait que j'ai plus... J'avais plus de contenu, je savais où je m'en allais dans la vie, j'avais du bagage que je pouvais raconter au monde, puis là, je me sentais plus à l'aise. Parce que j'étais un raconteur d'anecdotes à la base, fait quand t'as rien vécu, tu fais juste comme. Tu te souviens-tu la fois que je suis sorti dans un bar? Tu te souviens-tu la fois que j'étais chaud dans un bar? Tu te souviens-tu la fois que je suis pas allé dans un bar? Que je servais des œufs. Les anecdotes d'omelette, ça a ses limites quand même. Toi, JC, t'as-tu passé de tout à. Est-ce que t'avais comme une longue carrière? Moi, j'étudiais pour devenir enseignant. OK. Puis j'étais dans la dernière année, j'allais faire mon stage, puis je me suis dit, je suis trop jeune pour faire ça pour le reste de ma vie. Donc, j'ai pris une année. J'ai pas nécessairement commencé à faire du stand-up là. Mais j'ai pris une année juste comme je vais aller travailler d'autres jobs, je vais essayer d'autres affaires. Puis je finirai mon bac par la suite. Puis peut-être 6 mois après, j'ai juste. J'ai travaillé en construction dans l'Ouest canadien. Et ça, ça va te. Ça t'a traumatisé. Ça va te. Moi, ça. Qu'est-ce qui te. Ben, j'ai juste. Comme, c'était tellement plate que. C'est plus plate. Que j'ai commencé à écrire. Okay. J'ai commencé à écrire parce que. Parce que je dis pas que la construction c'est plate, c'est juste que ma job en construction, vu que je connais rien en construction, était très plate. Parce qu'il me faisait juste faire toutes les petites jobs que personne voulait faire. Fait que c'était très monotone. Tenir le poteau là, pour faire traverser. Presque. Mais c'était. J'étais pas encore, ça t'a pas encore rendu. Mais ça prend pas des caps pour faire de la construction, quelque chose de légal. Ouais, c'est pour ça que je n'avais pas rentré dans le temps. Ça, c'était pas grand chose. C'est pour ça que je me cachais, mais il payait quand même. Mais non, c'était monotone que j'ai commencé à écrire. Parce que des longues journées de comme 14 heures, qui je pense illégal aussi, de faire des longues journées comme ça. Mais c'est illégal de pas avoir de permis, puis d'être mal placé pour jaser. Ouais, tu fais 14 heures, monsieur, pas de permis. D'accord. Fait que, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire pour comme combler la monotonie. Et quand je suis revenu au Nouveau-Brunswick, là, j'ai croisé un open mic. Il y avait juste une annonce qu'il y avait un open mic qui se promenait sur la rue. Ouais, un micro. Je suivais. Bonjour, monsieur Mike. Puis j'ai vraiment hésité longtemps. J'ai marché devant le Comedy Club pour une bonne demi-heure à hésiter juste à aller donner mon nom. Ah, ouais. Puis là, je l'ai fait. Puis je pense que comme vous autres, c'est une piqûre. Ouais. Mais vous n'aviez jamais fait d'impro, théâtre, de la scène de façon générale avant? C'était votre. Vos premiers pas sur scène, ça a été des jokes que vous avez écrits? Yeah. Quand même. Mm-hmm. Moi, j'aurais pas eu ce que... Ben, des jokes, c'est un peu de théâtre au secondaire, là, mais c'est pas assez pour dire que j'ai pogné le goût des planches là, à 16 ans. Parce que... Pas d'impro? Dans une pièce de théâtre que j'avais 4 répliques, puis que j'embrassais une fille à la fin, bien allumée. C'était pas une pièce de théâtre, c'était un party de sous-sol. Là, on faisait du buvard, puis... Ah non, c'est ça, c'est pas de... Il fallait parler fort, il y avait une bouteille qui tournait, c'était pas clair. C'était Robert Lepage qui faisait la mise en scène. Ça a fait scandale, ça n'a jamais été publié. Oui, exact. Puis à partir de ce moment-là, le move s'est fait de là, t'es inscrit à l'école de l'humour. Non, ben, j'ai fait un an de stand-up à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il venait d'avoir un comedy club qui venait d'ouvrir. Okay. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'humoristes. C'est ça l'affaire avec commencer dans une plus petite ville, il n'y a pas beaucoup d'humoristes.
Mais quand comparé à une grosse. Est-ce que tu as vécu ça? Ben, toi aussi, tu viens du. Tu viens au Saguenay, oui. T'as-tu fait de l'humour au Saguenay au départ? Ben, ouais. J'ai fait de l'amour. Ouais. Ben, j'avais 27 ans, j'étais jeune, des cheveux. Bon, on fait une erreur de lettre, là, tout le monde. Ah, mais c'est drôle, là. Raconte la première fois que je fais l'amour. La première fois que je fais l'amour. Non, non, pas c'était pas. Très drôle. Non, ça, ça a été. Un standing, 47 secondes de pur bonheur. Alors. Oui, mais t'as quand même. C'était un rodage. De l'humour au Saguenay. Oui, oui, j'ai rodé longtemps. Maintenant, j'ai deux enfants, avec j'ai mon two-man show. Mais au Saguenay, les premières fois que j'ai fait des shows d'humour, c'était dans des galas genre Méritas ou Cégep en spectacle, okay. Comme ça. Il n'y avait pas de comédie club ou d'endroit pour faire des shows d'humour. Okay. Si oui, c'est nous autres qui les organisaient devant notre famille, devant nos amis, fait que ça compte comme pas vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est plus par l'impro que ça passait par chez nous. Ouais, ben la plupart des humoristes, ils ont passé par l'impro avant. On est comme dans le comme 10% qui ont pas fait vraiment. C'est bien que non, parce que je te dirais que beaucoup de gens, puis je veux pas généraliser, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait de l'impro qui sont excessivement. Ah, celui-là! Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont fait beaucoup d'impro, puis qui ont dit, bah, je suis capable de faire rire d'un match d'impro, je suis capable d'aller compter des jokes sur une scène, puis qui se sont pétés solidement la gueule. Moi, en particulier, les premières fois que j'ai fait de l'humour, je me disais, hey, moi, en impro, je suis punché. Tac, tac, m'a rentré sur scène, m'a dit deux, trois gags, mais le concept, le public voit pas du tout. Le show de la même façon quand il vient de voir un match d'impro, ben quand il vient de voir du stand-up. Puis là, t'as personne pour te renvoyer la balle, t'es tout seul. T'sais, la balle, c'est le public qui rit, puis s'il rit pas, t'es tout seul en esti, t'es tout seul longtemps. On n'est pas plus tout seul quand ça arrive. Mais vous avez un avantage au début, parce que nous, on a dû forger nos aptitudes d'impro sur le tas. Parce que Est-ce qu'il faut en avoir des aptitudes d'impro pour faire du stand-up? Ah ouais, ben, peut-être pas dans les conditions parfaites, mais dans les conditions où est-ce qu'on joue des fois. Il faut avoir des aptitudes pour ramener la foule, pour il y a du monde qui dérange. On ne comptera pas de peur là, quand dans les bars, c'est ça que tu fais au début, puis du monde chaud qui commence quand à faire... Quand t'animes, surtout. Ta gueule, t'es poche! Ouais. Fuck you! T'es pas équipé pour ça. Même ben, l'école nationale, il n'y a pas de cours de comment on fait pour... Oui, tu rentres dans une pièce, puis il y a juste comme... Ils ont engagé du monde qui boivent toute la journée. Ils s'installent sur les coins. Dont Louise Richer, la présidente, qui est saoule. Wouh! D'ailleurs, s'il y en a qui ont eu déjà cette idée-là de huer quelqu'un ou de parler pendant un show, faites pas ça, ça fait très mal. Vous avez l'air fou, puis ça nous fait vraiment mal. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est ces gens-là, à la fin, qui viennent te voir après le show. Hey, c'est le fun quand je te lançais des affaires à Samy de la vie. Non, t'as chié toute mon affaire. On t'a pas un souper. T'as juste brisé mon rythme, j'ai pas eu de plaisir. Je sais pas si t'as vu quand je t'ai envoyé chier violemment. Peut-être c'est l'intro. Quand je t'ai dit que j'aimerais ça que tu meurs, je le pensais. Je l'ai déjà fait écler par le propriétaire du bar. C'était son bar. Ben, c'était tantôt vrai? D'ailleurs, on était en... Mais t'es où? T'en rappelles-tu? C'était... C'était à Dorval. À Dorval? À Dorval. À l'aéroport. Ouais, un show en anglais, fait que tu vois les... C'est pour ça que j'aime finalement, c'était le pilote. Puis c'est le gars... C'était le pilote d'avion, finalement. Avant son vol. Bouh! T'as fait tout à l'heure, j'essaie de donner les règles de sécurité. Le gars du bar, le proprio, il te collait. Ouais, il était excessivement sous. Excessivement. Et ben, c'était son stock, là. Ça fait que... Ouais. Mais il criait, puis il arrêtait pas, puis il y a personne qui voulait dire de fermer sa gueule parce que c'est son bar. Il allait se faire congédier si quelqu'un disait comme... Hey, oui, tu peux pas sortir le proprio du bar dans la qualité, là. Moi, j'ai vécu le contraire. J'ai fait un show dans un bar, puis il y avait un gars qui est passé, puis ça allait pas bien, là. Il y avait, écoute, quatre personnes assises en avant, huit monsieur au bar, tu sais, que c'est bar c'est taverne, tu sais, les piliers. Ils sont pas là, ils sont encore lisses du show, ils veulent rien savoir. Fait que moi, je fais un show pour quatre personnes et il y a un bonhomme qui passe en camisole blanche. Qu'est-ce que c'est avec une tache de moutarde, là, tu sais, le vrai, classique. Le classique. Puis là, il crie, il fait juste comme... Je suis comme... Hein? J'ai dit, Chris, t'es qui, toi, Carlis? T'es bien sans dessin? Tasse-toi, va-t'en. Puis là, j'ai l'animateur de la soirée qui est Mike Baudouin, il me regarde, fait... Je sais, qu'est-ce qui se passe? C'est le propriétaire de la place. Mais c'est pour ça que c'est tout croche. Je suis vu comme un gay. Puis à la fin, complètement défoncé. Mike m'a dit là, encaissez vos chèques à soir. Ben, je sais pas si ça va pas rebondir demain. Okay, il était tellement chou, il s'en rappelle plus. Ouais, ouais, finalement, ça a passé. Il y a Michel Barrette qui a la meilleure anecdote. Tes parents sont corrects avec cette stabilité de travail-là. Mes parents sont fiers aujourd'hui. J'en parle plus, mais je sens dedans qu'ils sont fiers. Mais il y a Michel Barrette a la meilleure anecdote comme ça, ever. C'est.
Il allait d'un corpo pour faire un show. Le park était pogne, le monde bouève. Finalement, il est rendu 11h, il a toujours pas fait de show. Il a tremblé, on parle de il y a longtemps. Il va voir le proprio de la place ou le gars qui l'a engagé. Il dit excuse-moi, ouais, pour le show. Il dit ah ouais, c'est vraiment bon. Il donne le chèque puis il s'en va. Jamais fait de ça. T'es payé pour un show qui a jamais eu lieu. Ça, c'est. C'est malade. Une autre époque. Patienté, je pense qu'il disait 2h, 2h30. Tu sais, genre. Ben là, j'attends. Ben, non, même pas. Il était dans une cuisine avec les deux portes, avec le hublot, là, genre, ouais. Là, tu sais, qui roule. Puis j'ai fait un bumi de Louis José. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, en tout cas, je vais avoir une carrière. Mais, c'est quoi la partie que vous avez eu le plus de misère à trouver, c'est-tu votre delivery, votre écriture, c'est quoi votre talon d'Achille? Que vous avez peut-être plus aujourd'hui, que vous maîtrisez, mais que vraiment, ça a été ça qui vous a, je dirais pas retardé, mais qui vous a, encore aujourd'hui peut-être, qui vous donne le plus le plus gros boulet. Non, je te parle à toi. Ah, ok. Jay-Z n'a pas de boulet, mais Jay-Z, parfait. Moi, je te dirais, c'est l'écriture le plus. Ouais. La scène, ça a quand même bien été, j'ai trouvé mon personnage rapidement. Le delivery allait bien, mais l'écriture était plus difficile. Mais qu'est-ce que tu disais? T'asseoir puis écrire ou juste... Ah, m'asseoir puis écrire, avoir les idées de base. T'sais, à un moment donné, des fois, moi, j'entends parler avec d'autres humoristes, c'est comme toi, t'es un auteur écœurant. Là. T'es exceptionnel, t'es merveilleux. Mais moi, d'arriver puis faire comme, OK, bon, de quoi je parle? Là, moi, il faut qu'il m'arrive de quoi? Faut que je vive des patentes pour que j'aille le goût d'écrire. Quand ça arrive pas. Ça arrive. À Drummond, on s'entend. Mais il se passe pas grave. Le monde arrête de pisser. Mais ben, c'est ça. Bon, ben, j'en ai des jokes de toilette. Là. Mais, le plus gros arrêt routier au monde. Mais je pense que ça a été ça. C'est encore aujourd'hui, puis ça a été de trouver ma façon d'écrire. Parce que moi, tout le monde à qui je parlais, puis à un moment donné, on avait parlé même. Ouais. Ah, tu t'assis, moi j'écris, puis sors le mauvais, puis à un moment donné, il y a du bon qui va sortir. Moi, j'écrivais deux pages. J'avais. Une page et demie, c'était de la merde. J'étais comme, mais j'avais le goût de me tuer une balle. Ah, ben, je pense comme, que... ah non, je suis une mauvaise personne, je réussirai jamais. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est à force de. J'ai des idées, je les ai dans mon téléphone, je les essaye. Puis après comme deux, trois fois, je les ai rodées, là, je les mets sur papier. Là, pas je travaille des affaires demain. Je me sentais coupable de ne pas être capable de t'asseoir puis de pondre un texte. Je me sentais pas un vrai humoriste de le faire comme à l'envers de même, jusqu'à temps que je rencontre des gars comme Phil Labrie qui m'a fait. Je fais la même Christie d'affaires. Ah! Ou PA Méthode. Ou PA Méthode qui fait la même affaire. Pendant 20 ans, il a écrit du stock sans écrire. PA, c'était une machine. Là, pour ça, je sais qu'il demeure à Québec. Là, bon. Il animait à Drummond. Là, il arrivait 10 minutes avant de faire le show. C'est lui qui animait. Fait qu'il faut qu'il arrive avec du nouveau matériel à chaque semaine. Et il me regardait. Il dit, ouais, Marco, donne-moi trois sujets. En fait, on va se dire, il fume un bat. Wow. On va le dire avec des vrais mots. Bon. Il arrivait, il fumait un mot. De quoi je parle, les gars? Il arrivait, pas de météo. Mais bon, il faisait 20 minutes de météo. Il nous regardait. C'était le C'est bon, ça, météo. Mais c'était si bon. Puis il me disait, ben, je sais, comme les Olympiques, le monde qui se promène avec des calottes à la planète drette, puis je sais pas, moi, les filles au volant. Peu importe, n'importe quelle notifie niaiserie. Hey, c'était pas moi, c'est lui qui a dit ça. Mon Dieu, madame est fâchée. Vous savez pas ce qu'il a fait? Il a dit, mon Dieu, les femmes conduisent beaucoup mieux que les hommes. Vous êtes pas. Là, le monde en rit parce qu'il savait que c'était pas vrai. Eh oui! Non, ça se devait une exagération. C'était 5 minutes avant le show, il montait sur scène, il improvisait des affaires avec ça, il faisait un hit à chaque fois, ça avait aucun... Je l'ai vu faire plus ça plusieurs fois. Moi, j'ai appris avec lui, puis je me disais, OK, c'est ça, faut que je fasse. Moi, je capotais, j'ai ça n'arrivera jamais. Il a fumé beaucoup de drogue, c'est pas venu. J'ai commencé à juste fumer des battes et avoir aucun sujet. Ça, c'est ça ralentit des fois. Toi, JC, c'est quoi ton... Moi, ça a été l'alcool. Parce que ça a été faire une science avec l'alcool de comment ça me prenait ça pour aller sur scène les premières fois, tu sais, parce que ça te prenait ça, voilà, pas ça me prenait, je pouvais y aller sans, mais les premières fois c'est là, on t'en offre, t'es dans un environnement où les autres sont en train de boire, donc tu sais, je dis pas sous mort, mais juste comme de boire un peu, puis là, c'est à force d'avoir cette habitude-là, d'aller te préparer avant le show dans une micro-brasserie ou quelque chose, t'en prends une ou deux avec ton pacing à côté, t'écris, il y a quelqu'un qui rit, il m'a déjà vu dans la micro-brasserie ou quelque chose. Derrick Frenette, on le connaît, qui est dans le monde natal. Ah, Derrick Frenette, ben ouais! Qui vient justement du Val-d'Or. Il y a un show tantôt, puis il est en train de boire avant.
Derrick Frenette, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le gars avec le plus de cahiers de pacing ever. Il y a un cahier de pacing, c'est l'ordre des jokes qu'on va faire. Lui, il y en a un brouillon, il y en a un pour son deuxième jet de pacing, le pacing officiel. Par contre, il y a son cahier qui détache son pacing pour mettre sur scène. Il y en a quatre en général. Il y a au propre. Il y en a même sur le mur, là, il y a encore ça chez lui. Puis tous ses cahiers sentent excessivement la bière. Non, mais c'est juste, comme je dis pas comme vraiment de te saouler, mais comme juste avoir l'habitude, puis ça devient comme shit. Ça fait un mois que j'ai pas fait un show sans avoir bu avant, tu sais. Pas sous-mort, mais comme. Fait que cette année, j'ai arrêté pendant. Non, c'est ça que j'allais dire. J'arrête pendant un an au complet, fait que ça fait 8 mois, quasiment. Et. Non. Est-ce que c'est... Après, c'est pas, je m'ennuie en tabarnak. Il trempe tout le temps, il est toujours un peu edgy. Ouais. Je bois 30 cafés par jour. Ouais. On s'est battu deux fois. Ouais. Mais est-ce que c'est juste quand tu fais des shows ou t'as arrêté? Non, j'ai arrêté complètement. C'est dur de faire juste, la part juste pour enlever, pas l'habitude, mais juste pour, tu sais, faire un clean-up complètement puis enlever le réflexe. Genre de vécu que t'avais ou... J'avais déjà fait un mois sans alcool, comme la plupart des gens font, qui est... Mais on dirait que ça enlève pas l'habitude complètement. Je dis pas que je veux arrêter. J'adore boire. Je pense pas que j'ai un... Il y a quelqu'un de Nova de me tenter. Mais c'est juste que j'ai dû rebâtir la confiance sur scène sans boire. Okay. Parce qu'au début, t'es comme, oh fuck, il manque ce edge-là. Et parce que c'est un petit edge. C'est pas que j'en avais... Au début, tu penses que t'en as besoin. Puis là, le plus que je le fais sans, puis là, t'sais, j'en avais parlé avec une couple d'autres qui avaient arrêté, qui buvaient pas avant de jouer. C'est comme la plupart des humoristes font. Font. Oh, ouais, exact. Donc, j'ai dû réapprendre à avoir confiance. Est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a eu comme une couple de semaines, une couple de mois, jours, que tu avais oh shit, les shows ont été plus tough parce qu'il fallait que tu te réhabitues? Peut-être que c'est juste que je réalisais, oh fuck, c'est tough parce que j'ai pas le lubrifiant social qui passe par-dessus. Et de l'alcool. Mais j'ai réalisé avec un peu de temps que la confiance que j'avais était pas fausse. Je pense, puis j'encourage surtout les nouveaux à boire avant d'aller sur scène. Ça va plus intéressant. Pour vrai, l'alcool, les philosophes en Grèce, ils t'écoutaient pas si t'avais pas bu 2 verres de vin. Parce qu'il y avait pas une vérité dans leurs propos. Ils se retenaient. Après 2 verres ils de sentaient, vin. C'est pas une science exacte, mais ils sentaient. Après 2 verres de vin, Socrate, ils se laissaient à l'anastie. Ouais. Ouais. Ils connaissaient ça, la vie. Ben, ils sont tous à l'heure. Il y a quelque chose de. On parle d'impro, on parle de se laisser aller. L'alcool, ça permet ça. C'est pas mauvais, l'alcool, je pense. Non, ben, j'en veux en crise. Commencez les jeunes à boire que je vous regarde. Juste finir vos verres rapidement. Parce que Ou mettre votre main par-dessus. S'il y a quelqu'un qui en veut, il nous entend. Il nous entend. Je vais tirer tantôt, j'ai déjà fait. Ok, parfait. All in. All right. ça, c'est ma nouvelle addiction. Mais est-ce que quand tu as commencé à faire du stand-up, tu as commencé à le faire avec. Avec de la bière, en buvant avant? Ouais. Ou c'est venu comme un peu plus tard? Non, c'est venu comme... Dès le début? Dès le début. Parce que t'es dans cet environnement-là, tout le monde... Ah, si ceux qui, ça fait longtemps qu'ils font ça, sont en train de boire une bière avant, ben... C'est l'héroïne, à Drummondville. L'héroïne? Ouais. Tout le monde se pique dans l'œil, il y avait un show. Ouais? Ouais. Ah, j'ai vu les choix, là. Mais le pire, c'est que je te renvoie le compliment, là. Je vais faire genre savoir la tête, mais depuis que... JGC, ça fait des années. On a quasiment commencé en même temps, à peu près, dans le milieu. Ça fait combien d'années que tu le fais, l'humour? Je suis à Montréal depuis 2009. Ah, OK. Ouais, tu fais à peu près dans le même temps, 2009-2010. Puis je t'ai jamais vu aussi bon que... Thanks. Avant, t'étais moyen. T'as toujours été très bon, mais ta confiance que t'as repris, même à dire « j'ai pas besoin de ça pour être bon », ça t'a donné une nouvelle confiance qui est toute à ton honneur. Ah, ben merci, Marco. Vraiment. Hey, en attendant que je revienne sur scène, j'ai le deuxième service. En attendant qu'il revienne sur scène, qui est un deuxième service pour Marco. Ah, encore dit, je fais le message. Tato sucre, mesdames, messieurs. Ah! Et ça, c'est la demande de Marco Métivier. Ça, c'est mon comfort food à moi, ça. Ouais, raconte-nous que tu as sûrement une anecdote reliée à Tato sucre. Tu as juste ça, des astuces anecdotes. Non, c'est bon. Non, okay, on voit que c'est pas vrai, je rigole. Il juge pas du tout mon métier. Pas du tout, il est très bon, Marco, je l'adore, c'est pour ça que t'es là. Mais Tato sucre. Ben moi c'est familial, carrément, un peu comme le spaghetti, c'est un peu la même affaire. Moi, dans les parties de Noël, c'était tarte au citron, tarte au sucre qu'il y avait sur la table, j'ai hissé la tarte au citron à ma grand-mère.
Mon Dieu. Ben, les tartes à citron. Est-ce que t'haïssais ta grand-mère, dans le fond? Non, ouais, c'est ça. Non, j'haïssais les tartes au citron en général. Fait que je me pitchais dans la tarte au sucre. Tellement que mon père, à un moment donné, il fallait qu'il me dise. Arrête, Marco. Là, ça fait que tu as 8 ans et tu as mangé 4 pointes. Là, c'est comme pas normal. On dormira jamais cette semaine. Après, ben, il m'a envoyé dans le sol et je jouais au hockey avec mon cousin. Mais mon cousin. Ah, ouais. C'est le gars que tu imaginais parce que tu étais dans Sugar Rush. Tu avais signé des cousins. C'est mon cousin Steve. Tu n'as pas de cousin Steve. Il s'appelait Goglu. Il mesurait 7 pieds 4. Goglu. Il s'appelait Goglu. C'est le meilleur choix de nom de cousin. Il jouait avec les Blackhawks, ce qu'il me disait. Non, c'est pas. La tarte au sucre, moi ce que j'aime avec la tarte au sucre, c'est le dessert le plus honnête qui existe. Ouais. C'est la tarte au sucre. Ils prennent pas quatre chemins. C'est juste qu'est-ce que tu manges? Du sucre. C'est une tarte avec du sucre. Tu sais, les tartes aux pommes, c'est un peu hypocrite. C'est des pommes qui nagent dans le sucre. La plus hypocrite, c'est la tarte au sucre. C'est la tarte aux pacanes. C'est une tarte au sucre déguisée. Ouais, des pacanes. C'est comme une tarte au sucre, mais ils font comme, ouais, mais on m'a mis des noix, tu sais. Mais juste des noix, des portes à tarte, tu vois, c'est plein. On dirait les pacanes portent un trench coat, puis ça comme, ah! C'est comme des... Moi, pour les gens qui le savent, je suis diabétique, alors... c'est notre dernière soirée ensemble, madame et monsieur. Je vais boire, man. Tu vas voyer Simon dans deux jours avec une jambe en moins pour vous pas de questions. Will you c'est un cheat day, monument. C'est mon dernier repas, c'est avec vous qu'on le fait. C'est, non mais. Tabarnique. C'est le genre de choses que je mange jamais, ça fait 13 ans que je suis diabétique. Ouais. Ils m'ont fini. Ça. Vas-y, ça rend avec clair. Je n'étais pas rendu au punch-out encore. Avez-vous des gars sucrés? Avez-vous la dent sucrée? Ben toi, oui, visiblement. Ben moi, pour ça, ben moi, j'ai pas la dent sucrée. Moi, je peux être longtemps sans manger du sucre. Mais quand je tombe dedans, c'est dégueulasse. Tassez-vous de là si c'est la cata, là. Moi, j'ai déjà, comme un enfant, à un moment donné, je partais de Drummond, je m'en allais faire un champ à Montréal, j'ai acheté des sacs de Skittles. Ouais. C'est les seuls bonbons que j'aime. C'est un bon choix, c'est un bon choix. Mais j'ai mangé le sac au complet de Drummond à Montréal. Les gros sacs, là. Les gros sacs qu'ils te vendent au cinéma, là, que ça n'a aucun crise de sens. Là, je buvais ça avec de la liqueur, tu sais, parce que. Ben, il faut que ça passe. Sucre par-dessus sucre, il faut que ça passe. Ça sentais-tu comme des lourdeurs dans tes mollets? Ben, j'étais arrivé au show, puis c'était. On était au jockey, c'était Jay Dutam qui animait dans ce temps-là, puis il me regarde, puis il fait comment ça va? J'étais comme, pas sûr. Je fais le moyen, je te dirais. Il dit comment ça, puis là, j'y explique, puis il fait, mais t'es un innocent. Oui, je sais, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'ai des enfants, parce que là, je suis responsable. Quand j'ai des enfants, dès qu'ils sont plus avec moi dans un char à quelque part, je deviens le pire épais qui a pas sa planète. Je suis plus capable de me gérer, je fais plus rien, puis je pense, c'est ça. Ça tombe bien que tu restes à Drummond, il faut que tu fasses une heure de char à chaque fois que je fais des choses. À trois fois, je suis en char. Croisez-moi pas en char, j'ai tout le temps les culottes à terre, en train de manger des skittles en disant. Des culottes à terre, ça, c'est. Des skittles avec des culottes à terre, tu sais qu'il y a des gens qui ont fini en prison pour le même genre de prémisse. Des culottes à terre, skittles, ça fait weird, ça fait weird. Toi, t'es-tu une meubée à sucre, JC? Ouais, surtout depuis que je bois plus. Oh, c'est non, lourd. Mais je sais, je vais arrêter. Mais pour vrai, moi, c'est le soir. Le soir, si je me lève pendant la nuit, j'aime manger du sucre. Et, tu te lèves la nuit pour manger du sucre? Ben, pas pour, ouais, mais du Nutella, s'il y a du Nutella chez moi ou chez les voisins. Tu le sens? Honnêtement, le Nutella, il y a quelque chose qui... La nuit... Le jour, je peux me contrôler, mais la nuit, il faut que j'aie du sucre. Si j'ai pas de sucre, j'irai au DEP. La nuit. J'irai au DEP. J'ai pas de DEP proche, j'habite en campagne. Non, non. Acheter du Nutella au DEP. Ça reste un. Il y a des DEP ouverts la nuit pour les gens qui ont besoin de sucre et de crack. Il y a que ça. Il y a beaucoup trop de dépanneurs ouverts la nuit à Verdun. Mon coin, chez nous, c'est même pas si rough que ça. Puis le Pétro-Canada est devenu, tu peux pas rentrer la nuit. Il y a comme une... C'est comme si tu visitais quelqu'un en prison. Parce que c'est peut-être un ex-détenu, le gars qui travaille là. Mais... En fait, c'est pour te protéger du commis, non pas l'inverse. Mais tu lui demandes ce que tu veux, il va te chercher. Yeah, puis t'es comme, je vais prendre la crème glacée à Haagen-Dazs. OK, là, il s'en va, ça prend comme 5 minutes, il revient avec quelque chose. Fuck, t'es parti avant que je te dise qu'est-ce que je voulais. Donc, il m'a amené comme 3, une de ceux-là. Non, man. Attends, je vais t'expliquer. Je vais te dire avec les mots exacts. C'est l'autre bout. Ouais. Écris-le. Écris. Mais c'est pire. Ça devrait être une commande comme. S'ils vont faire ça, ils devraient avoir une commande comme au McDo. T'as comme un gros affaire. Tout le menu. Tout le menu de dette. Prenez des notes, ceux, là, quand on est propriétaire de dépanneur. Prendre un penthouse. Il faut un drive-through de dépanneur, parce qu'on est des grosses marques qui ne veulent pas se sortir pour se payer. As-tu déjà vu quelqu'un qui est allé au McDo devant l'écran, qui n'a jamais utilisé ça de sa vie,
Tu sais, il y a le regard d'un animal sur le bord de la route, ça n'a aucun sens. Là. Il fait juste, il faut que je commande un Théo Big Mac. Ouais. Il fait juste regarder ça quand, comme une gros... Mais qui vraiment va au McDonald's en bord? qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Non, peut-être ça. Non. Si au McDo, t'as un but en tête. Ouais, t'es sous que t'as faim. T'es batté au coton. T'es comme, regarde, demande n'importe quoi qui est chaud. Je me souviens plus avec qui c'était, mais il y a un humoriste qui était fâché contre moi que je l'utilise. T'es comme, là, c'est pas vrai qu'on va utiliser un écran. Il y a une personne juste là. On est en train de lui enlever sa job. C'est moi. Tu gênes encore sur le cœur, JC. Parce que Drummond, c'est une des principales sources de revenus. C'est la principale. Ben, tout le monde travaille au McDo ou est sur l'aide sociale. C'est ça qui se passe. Souvent, ils commencent par le McDo et ils tombent à l'aide. C'est comme une augmentation. On salue Drummond. J'ai animé une soirée là pendant un an de temps. Puis, puis maintenant, on dirait qu'il n'y a pas rappelé. On a inventé la poutine, OK? Là. Ah oui, c'est ça? C'est-tu? C'est pas Warwick? Warwick, il est rentré 6 ans. Laissez-leur ça, c'est tout ce qu'ils ont dans la vie. Ça fait 150 ans que Victor et Drummond s'assassinent avec ça. Non, tu le vois de vraiment déjà causé comme des batailles à coups de poing. C'est nous autres, la poutine! Non, c'est nous autres! Ben, je te dirais que moi, j'aime quand même le hockey de la Ligue junior majeure. Ouais. Puis les Tigres de Victoriaville et la bagarre c'est pas la 55, de la 132. Oui, excuse-moi. C'est pas grave. Mais... l'histoire un petit peu, JC. J'ai un ami qui a joué. Mais entre les Vultures et les Tigres, c'est vraiment, là, écoute, il y a la moitié du monde de Victoriaville qui est dans l'amphithéâtre. Ça s'écœure, mais c'est gentil, mais tu sais, c'est... c'est à deux boissons de se péter à la gueule. Le hockey, c'est correct, mais la poutine... Est-ce que... ça se garoche du fromage en grains. C'est gentil. Ah, non, merci. Là, t'as peut-être quelqu'un qui fait comme « Oui, mais Ashton! » Ben non, pas Ashton. Qu'est-ce que vous faites là? Non, pas Ashton. Je viens de perdre tout le monde. Tout le monde a perdu. Vous êtes comme une pièce de théâtre d'enfant, Ashton. C'est cute. Vous êtes chez vous. On est allés. On a fait « Oui, c'est le fun, mais c'est pas vrai. » C'est pas la meilleure poutine au Québec. Vous êtes loin derrière. On vous aime beaucoup. Il va falloir se faire escorter. Là, il y a des gens qui se lèvent et qui partent. C'est ça qui se passe. C'est des gens dans des guns se gringuer. Y a-tu comme un mec comme ça qui s'est... L'année passée, CTV ouais. a essayé de faire un concours pour savoir c'était quoi la capitale du homard. Mais chez Diac, c'est la capitale du homard. Et tout le tourisme est basé là-dessus. J'ai vu la grosse statue, mais j'étais allé... Il y a un énorme homard. Ouais. C'est une statue d'un énorme homard. Ouais, il est immense. Ah, c'est drôle. Il est gros comme le parterre ici, puis tu peux être comme dans sa tête. Les gens chez Diac étaient fâchés que CTV fasse un concours. Comme, ils ont gagné un concours parce que tout le monde s'est mis derrière le concours de niaiseux. Mais c'est comment tu trouves que t'es la capitale du homard? Tu ben, déguises? Ils ont fait par vote. Là. Okay, un vote Internet. Chauvin. Ils ont Internet quand même. Toi, tu penses que tout le monde qui vote au galartiste va juste se déguiser? Oui. Le message du homard et du galartiste, c'est pas la même chose. Toi, tu déguises pas en Gino Chouinard. Mais là, tu veux que le monde vote pour Chediac ou que tu sais, il faut que tu mettes du tien. Mais le festival du homard à Chediac, c'est big. Exact. C'est comme, ils ont un festival du homard qui dure 2 semaines. Le tourisme est basé là-dessus. Il y a du homard partout. Ils ont partout. Un énorme homard. Puis là, ils risquaient de perdre ça. Fait que c'était un peu comme la poutine. Ah, mais ouais, il y aurait comme une guerre civile ou quelque chose? Ouais, ouais, probablement. Et hein. Les gens s'attaquent avec des homards. Ils se tirent des pinces. Ouais. Tu commences pas à m'écœurer. J'enlève les élastiques. Oh non! j'ai un ami qui a joué pour les Tigres et pour les Voltigeurs. Les deux? Il a joué pour les deux. Puis il a dit, cette rivalité-là est... intense. Ah ouais, qu'il y avait des games que... C'est comme les... Ben, pas tout à fait le nordique, mais le canadien, mais c'est dans le même genre, ça saillit. Mais c'est vraiment... Regarde. Derek, s'il te plaît. Toutes proportions gardées. Comme Val d'Or, puis check tes 14 spacing, il y a des adultes qui parlent, Derek, s'il te plaît. Mais il disait que ces games-là, il habillait des gars juste pour se battre. Ah oh, ouais, comme il allait chercher comme un gars qui... Un boxeur. Pouvait à peine patiner. Il se tenait debout. Même qu'il était capable de péter des gueules. Il était juste dans l'autobus, puis comme tu sais, il shakait. Il était comme... Lui, c'était pas se battre, c'était le fait qu'il allait jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais ouais, jouer. Il allait jouer un shift de 20 secondes. Tu vas rentrer 2 minutes, puis tu vas sortir. Je dirais que Roman Lito, il joue pas juste un shift. C'était 3-4 bagarres des fois, des deux mêmes gars pendant... Mais Ligue junior majeure... Je pense qu'il y a des gens qui ont été offusqués par les homards. Mais ils disent jamais ça parti? Oh, c'est des fans de crabes de la côte nord. C'est vrai qu'il y a de la côte nord, c'est crabe. Il n'y a pas d'accès circonflexe, c'est ce type là. Le crabe, le crabe, c'est pas la même crustacé. Mais c'est pas comme la ligue professionnelle, la ligue américaine, là, ça, que le match commence puis ils droppent les gants. Ça, il y a c'est pas eu... pas la ligue américaine, la ligue nord-américaine. La ligue nord-américaine.
La Ligue Seigneur, ça. Non, non, mais non, c'est pas la Ligue Seigneur. C'est il y avait à Jonquière, il y avait les. Il y avait Jimmy Byrne dans le temps, on allait au. Ben, monsieur. Le Seigneur, ouais. On allait là, puis. D'après moi, il a joué pas une tutoriel. Si tu lui dis pas que c'est la Ligue Seigneur, il va sauter sur toi. C'est la Ligue Seigneur, je te le dis. OK, c'est bon. Il a déjà joué dedans, monsieur, la Ligue Seigneur. Il ne montre pas ses. Non, il y a les bras croisés, j'ai peur. Il y a un parapluie, il pourrait, en tout cas, briser ma nuque. Rien ne lui fait peur, sauf la pluie. Rien ne lui fait peur, sauf l'eau qui pourrait tomber du ciel. Mais par chez vous, c'est quoi le vous avez dit comme un sport weird de tirer des crabes ou le polo à dos de crabe? À dos de homard, très bien. Le polo à côté de dos. Le lancer du homard. Il tourne de même. Non, mais des fois, il y a des affaires weird juste dans des ben, c'est pas weird, mais le washers, tu sais, les... Ouais. Les washers, bien, mais là, tout le monde joue à ça. Mais les washers au Nouveau-Brunswick, c'est comme partout. C'est de et ça, et comme, faut que j'aille me pratiquer avant d'y aller. Parce que sinon, bon. Je suis comme... Ah, ben moi, je me confesse, c'est, c'est l'activité. C'est pas un sport. C'est une des choses que je préfère au monde. C'est une des affaires que j'aime. Dès qu'il y a un party d'amis, dès qu'il y a un party d'amis qu'on fait de quoi, il y a des washers sur le terrain. On fait des tournois de washers et de couilles. Moi, ça s'appelle le même. Donc. Les balles. C'est trois balles comme ça. C'est comme madame, deux on balles a de gars avec une corde. Faut que tu lances ça puis qu'elle s'enroule sur... C'est un peu le même penché que le washer. Nous, on fait pas ça. On reste pas. Vous entendez pas vos couilles sur la corde, à trois points. Pourquoi les jeux de pelouse ont toujours un double sens sexuel? Couilles, washer, d'or, poche. C'est toujours un double sens de fesses. Ben, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas le faire dans le Christie de roulotte. C'est en carton, tout le monde va entendre. Tu peux pas jouer après washer dans la roulotte, tout le monde va entendre. T'as soigné Ginette? J'ai soigné Ginette. Tout le monde le sait, c'est un tag team. Mais tout le monde d'impact joue. S'il y a un sport qui est plus populaire, ça doit c'est être washer. Comme le reste du Canada, le hockey. Le hockey, ouais. Est-ce que tu disais qu'il y avait un comedy club à Moncton, ouais. Que tu as commencé là, c'était en anglais? Ouais, c'était en anglais, puis comme je disais, il y avait moins d'humoristes, on était peut-être quatre open micers. Mais c'est un club qui était partout au Canada. Okay. Donc il faisait venir des humoristes. Mais il y avait besoin d'une personne, de la place. Ben, vu qu'on était quatre, ouvrir le show. Ben, j'ai comme rapidement fait des gros shows. Fait que j'en faisais comme en début de carrière. Ouais. Je faisais comme 5 shows par semaine, par certaines semaines. Fait que ça aide. Puis tu travailles avec des professionnels que ça fait 25 ans qu'ils font ça. Fait que tu sors avec eux autres après, d'où le reste de la bière. Le problème de la bière embarquée. Est-ce qu'il y a une personne dans votre souvenir, un humoriste ou un artiste ou quelque chose qui vous a, je sais pas, inspiré le plus, je sais pas. Vous auriez à nommer un humoriste ou ça peut être un autre artiste d'une autre discipline qui vous a le plus inspiré dans votre métier. Ça serait un show que vous avez rencontré ou non. Ou un show que vous avez vu, vous êtes comme Chris, wow. Si j'ai réussi à atteindre le dixième de ça, je vais être content. T'sais. Le show qui vous a marqué, mettons. Ben moi, je sais pas encore. Il y avait trois de mes idoles quand on était jeunes. Moi, c'était Lise Dion, c'était Jean-Marc Parent, c'était Michel Barrette qui était... Les raconteurs. Et je suis allé voir une fois un show de Jean-Marc à Drummond. OK, mais je suis rendu trop... On m'entend... Je vais juste enlever le fromage. C'est le fromage. Le show à Jean-Marc à la fin qui a duré comme 6 jours. Puis... C'est un petit show, il est en rodage. Il est manqué de l'école. Il est somnambule, fait qu'il peut continuer. Mais quand il a fini le show, il a fait « Hey, s'il y a quelqu'un un jour qui veut faire ça dans la vie, qui a eu le goût de faire ça, ça ou autre chose, aller au bout de vos rêves. » Tu sais, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais tu sais, quand c'est quelqu'un que t'aimes qui te dit ça, et le lendemain, c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers gags, même je les ai pas faits tout de suite, ça a pris des années. Et j'ai pas encore rencontré Jean-Marc, mais c'est sûr que... premièrement, moi, je chie dans mes culottes pendant 2 heures avant d'aller le voir. Mais ça va faire un bon numéro. Ben, c'est ça. Ça va faire un numéro de chier dans mes culottes. Puis après, quand je vais aller dire, tu sais. Ben, quand j'ai rencontré Michel Barrette, ça a été la même chose quand je suis allé jouer à son hôtel, l'hôtel des Droitiers. Ça, c'est... J'étais sur le show. Oui, c'est l'histoire la plus haute que j'ai eue. Ma blonde, elle vient avec moi, puis la façon que c'est fait, il y a la salle, puis t'as un petit palier, genre de petite mézanine, puis je sais pas qu'il est assis avec ma blonde pendant qu'il écoute le numéro, parce que ma blonde est allée dire que c'était une de mes idoles. Je finis, j'ai un gros standing de fou, je suis un nuage, j'ai commencé à juste carrer à l'hôtel de Michel. Ma blonde me texte, elle dit « Viens me rejoindre » et j'arrive. L'autre humoriste est en train de jouer après moi. Michel est assis à côté de ma blonde et il se lève pendant que l'autre joue sans calice que l'autre. On est il est chez eux. Et il me regarde et il fait « Il arrête pas, il me fait un standing tout seul, puis il fait « T'as-tu que t'es bon, t'es d'autre? » Je me souviens même pas de ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il y a dans ma tête. C'est comme, Michel Morin, mets-toi au bon! » Tu touches encore à ça. Puis à la fin, j'ai dit « Je veux jouer dans ton hôtel. »
Et il m'a dit, la journée que tu viens jouer, je vais faire ta première partie. Et on est, en ce moment, on est en pourparlers pour faire mon show. Puis il m'a dit, m'a fait ta première partie. Belle. Il le fera pas parce que ça va être à haut d'or. Ah ouais, c'est sûr, il va faire d'autres choses, mais c'est pas grave. En vrai, s'il a dit qu'il allait être là, on va travailler avec Michel, c'est un gars d'honneur. Si il l'a dit, il va le faire. C'est Gino qui anime là. Gino Chouinard, ça c'est Gino Lévesque. Gino Lévesque. C'est lui qui organise. Et c'est lui qui organise. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est Gino Lévesque. Maud Landry, t'es sur le. Maud Landry, t'es sur le show avec nous autres. Et l'animateur avait dit. Mais c'est pas cette fois-là. Ok, c'est pas la même. Ouais, ouais, ok. Et l'animateur avait dit, veuillez accueillir une boule d'énergie. Mais Maud Landry est hyper drôle, mais c'est vraiment une énergie très basse. Ah non, pas être qui court sur scène, ouais. Le micro, ben et comme c'est très stand-up. Et là, les gens s'attendent à que ça à va être une boule d'énergie. Fait que le monde, tu vois les gens regarder comme, OK, elle va exploser, là. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'elle va exploser. Ouais. Les gars, ils sont tellement tout le temps malades, qu'à un moment donné, ça va péter. Comme ça, jamais quitté sa comme elle, en sortant, elle pensait encore à ça. Okay, elle, ça l'avait. Ah, ça l'avait fâché. Elle dit, voyons, on m'a fait présenter comme une boule d'énergie. Elle était fâchée. C'est comme si on disait, Marco, stand-up pur à l'américaine. Oh, ouais. Par contre, des fois, j'étais sur un bateau, Chris m'a dit stand-up. Je suis déphasé. Toi, JC, c'est quoi le show ou le. Ça peut être un show, ça peut être un événement particulier qui t'a fait. Et qui t'a inspiré le plus ou que t'as. Louis-José Hood à Monkey High qui est sur son. Il y a un DVD qu'il y a, la partie audio, c'est à Moncton High. C'est le show ouais. Qui m'a fait que, oh shit, ça. Je veux faire ça. Et j'ai vu le show, puis en sortant du show, j'ai dit à la fille avec qui je sortais, j'étais comme, je veux faire ça. Puis j'étais comme, c'était comme une épiphanie de comme, wow. Je vais, en sortant du show, parce que j'avais vu un maître à l'œuvre, j'avais vu comme, shit, c'est. Ça, c'est ce qu'il fait. Ouais. Mais c'est de taper toujours sur. Le gars, c'est un. Hard worker, ouais, c'est, comme il y en a peu. Là, c'est mathématique, c'est une affaire, mais les réflexions sont vraiment. Moi, je l'appelle nice. C'est pas méchant, là, c'est un autiste de l'humour, oui. De façon de parler. Ouais, ouais. Il travaille et retravaille. À la virgule. Une musicalité. Oh non, ce on-là est de trop dans ma phrase. Comme ouais. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une machine là, ouais. Pour rien qui est rendu ce qui est non plus. Mais est-ce que JC, toi, c'est un genre de, ben, c'est, De façon de procéder que tu appliques? Est-ce que tu es très méticuleux? Je suis constamment en train de penser à ces choses-là. Puis j'écris à tous les jours. Puis j'écris, je parle dans mon téléphone. Je suis comme constamment en train d'essayer de faire grandir des idées. Donc, c'est une autre maladie, par exemple, par la santé téléphone. Donc, l'humour, c'est une maladie mentale. Je travaille, en ce moment, je fais la première partie de Simon Gouache. Et Simon a fait la première partie de Louis-José pendant 5 ans. Il est allé à l'école Louis-José. Et, en ce moment, Simon finit son premier show puis commence son deuxième. Fait qu'il est en train de le travailler là. Fait que je le vois travailler avec son metteur en sa metteur en scène puis Pascal Mailloux, puis son script éditeur. C'est la chance, ouais. Exact. Donc, c'est le fun de voir quelqu'un qui a une éthique de travail quand même forte. Pis ouais. Mais en plus, Simon, il a cette. puis on avait parlé quand il était venu, mais il est pas du genre à écrire. Non. Tout est dans sa tête. Son premier show, en tout cas, reprends-moi si je me trompe, mais il n'y a pas pratiquement pas de textes qui ont été écrits en tant que tel. On peut pas avoir la Bible du show, version papier. C'est une autre façon de procéder. Quand tu es auteur pour ce genre de personnes-là, c'est ça doit être particulier. Envoie-moi tes textes. Tu le réorientes, mais il y a un énorme travail de mise en scène, je pense, derrière tout ça. Et c'est le fun à juste voir comme le processus de comment ça se crée. Je me compte chanceux de juste pouvoir voir ça. De pouvoir voir la fin, le produit final à la fin de sa tournée. Ça fait quand même un bout qui roule son premier show. Donc, c'est un produit que c'est à la virgule. Il joue c'est toujours de la même façon? Ou tu as l'impression qu'il s'adapte un peu? Il s'adapte. Et ça, c'est une chose que je faisais aussi avant. Où est-ce que j'aime, et comme vous autres, écrire, mais réécrire sur scène. Je vais écrire un gag, là, je vais le réécrire. Je vais obséder sur l'écriture jusqu'à temps que j'aille sur scène, qui est comme le deadline. Mais au lieu d'essayer de faire comme. Faire la joke telle quelle comme je l'ai écrite, je vais la réécrire. Donc, en faisant ça, tu risques pas d'avoir de blanc. Tu risques pas de. Puis tu risques d'avoir comme un nouveau 2 minutes à l'intérieur de cette idée-là parce que le public t'a nourri. Tu l'écris avec le public parce que c'est une musicalité. Quelqu'un avec qui je parlais comparait ça au jazz. Ouais. Qu'une idée, une joke va être
45 secondes une journée, le lendemain, les 2 minutes et demie. Puis là, comme parce que tu l'as jazzé avec le public te lançait. Mais est-ce que tu sais, toi, Jesse, t'es peut-être un peu plus. Ben, tu fais pas juste des liner, tu fais des bits. Des bits, quand on dit des bits dans le jargon, c'est des courts numéros, des petits gags qui durent des fois 2-3 minutes qui relancent plusieurs idées souvent. On appelle ça des bits. Souvent, c'est pas assez pour être un numéro, mais c'est plus que juste un gag. Ouais. Est-ce que ça va de la même façon qu'une anecdote? Tu peux-tu jazzer une anecdote tant que ça? Tu sais ce qui s'est passé telle affaire, tu le racontes. À quel point ça peut être différent à chaque fois que tu le racontes devant Ben, ça peut être différent parce que tu rajoutes. C'est un peu la même affaire que JC disait. Des fois, tu peux surfer avec les gens dans la salle et tu rajoutes. Ou des fois, tu as un gag pop dans la tête pendant que tu le racontes que tu n'as jamais pensé en étant assis devant ton ordi à écrire. Là, tu l'essayes, tu fais oh, « OK, ça a marché. Good. Faut pas que je l'oublie après. » Ou c'est pour ça que moi, je m'enregistre tout le temps vocal. J'ai mon téléphone soit sur, souvent, en fait, sur le petit banc ou dans mes poches de pantalon puis que j'enregistre en même temps. Mais c'est sûr que la base d'une structure, d'une anecdote qui dure déjà 7-8, c'est dur de… De déroger de ça. De déroger de ça, parce qu'il y a un début, il y a un début puis une fin à tout ça. Il y a des éléments importants à mentionner. Exact. Mais des fois, à un moment donné, tu peux te rendre compte, OK, ce bout-là, j'ai travaillé beaucoup avec Pascal Maillot, justement, qui travaille avec Simon. Je commence à travailler avec lui, puis lui, il n'a aucune douceur. C'est un gars le plus fin au monde, mais pour l'écriture, il n'a aucune gentillesse. Non. Des fois, j'ai envoyé des textes, puis il fait comme, hey, ce bout-là, c'est le fun, ton explication. OK, moi, il n'y a pas de gag. C'est bon, j'ai compris. C'est le fun, le paragraphe. Ouais, c'est le fun, le paragraphe, t'as écrit pour aucune calice de raison. OK, c'est beau, je vais l'envoyer. On le salue, Pascal. Ou des fois, il fait comme, ah, ce gag-là, il est bon, mais je l'ai vu venir à page 1, puis il est rendu à page 7. OK, bon, c'est correct. Je vais l'enlever, on va le rejazzer, on va le retravailler. Mais c'est ça que ça te prend, parce que quand t'es face à ton texte, à un moment donné, Est-ce que toi, est-ce que Jesse, tu travailles avec un auteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Ou tu brainstormes avec des gens des fois? J'aime ça brainstormer avec des gens. Là, j'ai commencé à travailler avec Manuel Lemieux de Chauffer Éclairé. Ouais. Mais pas dans mes textes. Je veux juste qu'il me donne un œil extérieur dans le sens que. Il va regarder un peu ce que je fais. Puis, comme. Tu sais, à un moment donné, j'avais un gag où est-ce que je me couvrais un peu. Il était comme essayer de trouver un autre geste. Plus dans les gestes, plus dans la. Dans la mise en scène, mais aussi des idées pour pousser mon idée plus loin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de stand-ups qui vont travailler, se faire écrire des gags. Je pense que les trois, on est des stand-ups qui aiment faire ce qu'on a écrit nous-mêmes. Ouais, on dirait que c'est comme un exutoire, c'est tellement personnel que c'est difficile d'avoir de l'œil. Des fois, c'est le fun d'avoir juste un auteur avec toi, juste pour t'amener une autre avenue, t'ouvrir une rue que tu n'as pas vue dans ton numéro, de faire « Ah, moi, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé à ça. » T'as l'affaire. Ah, OK. En particulier dans l'anecdote, parce que tu racontes quelque chose qui t'est arrivé, c'est dur de « think outside the box ». Exact. Fait que tu fais comme « Moi, c'est ça qui m'est arrivé. » Fait que je rajoute des patentes autour, mais le canevas de mon histoire, c'est ça. Puis fait « Ah, mais moi, ça m'a fait penser à telle patente. » Ou quelqu'un va juste te rajouter « Hey, j'ai un gag là. » Puis moi, ça m'a fait penser, tu pourrais dire ça après. Des fois, c'est pas nécessairement… La ligne la façon de dire, mais l'angle qu'il t'a donné, ah, OK, ouais, je vais rajouter après. Poser des questions, voir qu'est-ce qui n'est pas clair. Ça. Exact, mais je trouve aussi, comme, tu sais, vous êtes deux gars que quand je croise dans les choses, j'aime beaucoup jaser d'humour ou juste comme, si on a un nouveau bit. On est du genre à se tester. Hey, t'aimes ça ce gag-là? On se montre nos pénis. En fait, on va se dire, là, on monte nos pénis. Mais avec des gags dessus. T'aimes ça ce gag-là? C'est un très court punch. C'est pas une pénis dans une rue. J'avais plus de place. Mais toi, t'aimes plus ça qu'un auteur qui va t'écrire des jokes. Je trouve que si tu te fais écrire des jokes, t'es un comédien. À ce point-là, même quelqu'un que... Tu sais, j'ai écrit pour ben du monde, j'étais auteur pour ben des shows, puis 96% des jokes étaient écrits par l'humoriste, puis moi, je rajoutais le petit 2-3% qui manquait. OK, là, je... Non, mais un humoriste complet. Je pense que c'est rare. Non, mais se faire écrire complètement. Je pense que c'est rare. Il y a des humoristes qui font ça. Mais des fois, c'est juste des bonifies. Là, non, mais ça. Ça, j'ai aucun problème. Mais toi-même, tu as déjà écrit pour, pour télé ou radio ou d'autres humoristes. Tu penses pas que d'écrire pour. Non, je pense pas que ça enlève rien à l'autre. C'est juste que je pense que si tu performes la joke que quelqu'un d'autre a écrit, ça veut dire que t'es très talentueux dans l'art de. D'être un comédien. Des fois, c'est juste l'auteur qui est bon aussi pour te donner des gars qui fait très bien avec toi. Oui. Mais est-ce que tu t'en fais encore un peu d'écrire pour d'autres... Non. Non? Parce que je pense que j'ai un style tellement général que si j'écris pour n'importe qui, cette joke-là, j'aurais pu la faire. T'aurais pu la faire, puis là, c'est plate la donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as écrit pour d'autres?
J'ai aidé, mettons, des gens qui commencent un peu plus, qui tu sais que ça fait pas très longtemps, de faire de la structure de texte un peu pour ce que moi je pense, tout ça, mais j'ai pas vraiment écrit. J'aime brainstormer avec d'autres, justement, arrive avec ton texte, j'arrive avec le mien. On jase, je vais t'aider sur le tien, je vais t'aider sur le mien, là, mais pas d'avoir une job d'auteur comme tel, comme je disais, t'sais, c'était un peu mon talon d'Achille de vouloir juste vomir des gags pour plein de choses. Souvent, écrire comme ça, faire des brainstorms avec d'autres mondes, ça te rend meilleur en tant qu'auteur. Oui, ça, par exemple, oui, ça m'a aidé beaucoup, ça. Tu sais, pas de là à dire, ah, j'aimerais ça écrire pour d'autres. Je vais commencer à me contenter d'écrire pour moi. Pour toi. Oui, exact. Messieurs, ça va, ça tire à sa fin. J'espère que vous avez vu. Ben oui, on l'a. Maintenant, c'est l'heure des plugs, mesdames, messieurs. Excusez, mesdames, messieurs, pas vous autres, je m'en connais. Bon, vrai, je vous aime tous individuellement. Je vous frencherai tous un par un. Est-ce que. On verra. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez à plugger, des shows, des capsules, des podcasts, des whatever? Si vous avez des plugs à faire, ça va être diffusé quelque chose comme le mi-août, fin août, mettons. Fin du mois d'août, en vrai. Ben, moi, ça va être ma fête. Non, c'est pas, c'est bon. Mais pour vrai, si vous voulez, ben moi, c'est juste de suivre ma page Facebook, mon Instagram. J'ai sorti des capsules de mixologie. Je fais un. Parce que je trouvais que c'était drôle, les mixologues qui se prennent trop au sérieux. Fait que je fais des. Je repimpe des drinks déjà connus à ma façon. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça. Sinon, j'ai mon show de 90 minutes qui s'appelle Oui, c'est vrai. On va avoir des nouvelles dates à l'automne. Fait que si vous avez aimé tout ça, c'est ton Facebook. Sur les mon dates, Facebook, vous me suivez. Puis après, ben moi, je vous fais des gros likes. Marco Métivier avec un K. Marco Métivier avec un K, oui. Gizzy? Moi aussi, ça serait ma page Facebook. Lui aussi, c'est Marco Métivier avec un K. Ajoutez Marco. Puis ami en commun. Ajoutez-moi sur Facebook, c'est JC Surette. J-C. Ouais. Parce que je dis pas comme J.C. Lauzon que J.I.C. C'est J.C. Surette. Exact. Sur Facebook. Je suis pas mal partout en province avec Simon Gouache. Et là, je vais sortir aussi mon rodage. Donc, je devrais être à Québec au Petit Champlain prochainement. Ouais, prochainement. Puis un peu partout dans la province. Ben, parfait. Ah. Écoutez, c'était. Moi, j'aimerais me bloguer. Derek Fenet, mesdames et messieurs. Salut, je suis en spectacle dans 27 minutes ici, c'est mes cahiers. Alors, ceux qui. Il en manque 3-4. Alors, ceux qui écoutent sur Les Bons Dimanches, on est complètement hot phase. Alors, en ce moment, on est le 8 août. Derek voulait avoir de l'amour. On ne sait pas si on est trop d'avant, parce que là, tu dis que ça va passer plus. Mais lui, il a la moustache des années 70. Fait qu'on est comme avant et après. Mais il a les cheveux des années 92. Fait que c'est spécial. Mais c'est vrai, avant, il y avait des mèches blondes. Mais là, bon, il s'est rendu compte que c'était ridicule. Derek Frenette, en fait, c'est Michael J. Fox. Il jouait dans Retour vers le futur. Il tremble beaucoup. Alors, Joker Parkinson, mesdames et messieurs, on finit là-dessus. Sur la page tantôt, j'ai dit que je faisais tirer une tarte au sucre et un pot de sauce à spag. C'est toujours vrai, mais on va le faire. Puis deux consommations. Alors, on va attendre que les micros soient fermés, puis je vais faire tirer ça. Merci d'avoir été là. Merci à la taverne Grande Allée de Québec de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à la boucherie Auclair, notre commanditaire qui a fourni la viande dans la sauce et la viande dans la tarte. C'est full viande, ça. Boucherie Auclair à Sainte-Julie, si vous passez par là, elle est là. Et merci JC, merci Marco, ça m'a fait plaisir. Passez une belle fin de soirée et bon dimanche tout le monde! Simon, on t'aime!